Welcome les gens et bienvenue dans ce petit live des familles. C'est la période, on est qu'au début de l'été on va dire, où il fait vraiment chaud. Après ouais, je vois Gats, il avait mis ouais, tonton tu vas day say day dans le geek grenier. La journée honnêtement ouais, la journée bah, il fait chaud, c'est normal. Mais arrivé 22h30, 23h, wow, il fait quoi lui? Tonton! Oui! Tu vas day say day! Je voudrais bien décéder comme ça, dans le geek grenier par cette température. Ah, je ne sais plus respirer. Fatality. Et le Matteo n'est même pas là en plus. Là. Et j'ai vu qu'il s'est fait clasher en fait avant que le live commence. J'ai pas capté le projet. Cathy l'a clashé. Je crois qu'il est parti vexé. Mais si je suis là, écoute, santé à toi, Matteo. Donc les gars, ça va chauffer. Let's rock. Ce jeu, ça a été mon deuxième FPS à l'époque. Hein, voilà, parce que moi, j'avais pas la PlayStation, j'étais sur PC. Et le premier FPS que j'ai fait, c'est Unreal, comme on disait à l'époque, Unreal. Attends, déjà, je connais le jeu par cœur, on a mis pause et je suis parti parce que tu descends de l'ascenseur et t'arrives ici, où le mec, il était encore là sur la caisse et là, il a eu le temps de venir me flinguer. Ah, les droites, là. Putain, je croyais que c'était une tire de balle. Vous me faites flipper. Tonton, tu vas décéder. La salle de cinéma, les gars. Alors j'espère que ce jeu ne va pas me strike de YouTube, what the fuck, parce que quand on voit la vidéo du JDG, bon après voilà, c'est ce que je disais toujours quand, ah putain j'ai même pas d'armes, tu te fous de ma gueule, quand tu vois le JDG qui a fait une vidéo sur Duplicate Forever et tout, où voilà tu vois les boobs des gonzesses et tout et qui s'est fait striker sa vidéo, tu te dis mais what the fuck quoi. Les anecdotes, bah, ceux qui suivent vraiment JDG, etc. Le mec a dû pixeliser des pixels. C'est vraiment le truc de malade, quoi. Oh, il tient le bar. Allez, dégage. Voilà, la petite... Oh, maintenant, il me tire dedans. Je vais te tirer dessus. Ah, dégage. C'est moi le duc. Alors une petite... Ouais, c'est du whisky ça. Ouais, ça c'est pour Matteo, il aime pas le whisky. On le dégage au calme. Le pompe des familles. Allez, petite trousse de secours. Voilà, les petites caméras de surveillance. On s'en bat les couilles. Bah, je vais pas user mon arme pour toi. Ah oh, bah il est décédé. Putain, les mecs ils te font voler quoi, what the fuck. Allez, un pompe dans ta kick mon vieux. Voilà, aujourd'hui c'est le Sister Act 3 qui sera disponible dans Duke Nukem Forever les gars, avec les jumelles Olsen, hein, voilà. Voilà, là c'est l'attaque des Blitzen Bomb Biker Bimbo. Alors, est-ce que je monte direct? Non, attendez, on va venir ici avant. Bah, on va aller ici avant. Ah, il y a des gens, ils ont payé pour le cinéma, donc on va leur balancer le film des familles. Alors, je sais qu'il y en a encore un, il est là. Oh, bah, je l'avais tué par la fenêtre. Hein. Hop, la petite carte rouge. Oh, mais ils ont popé de où, eux? Voilà, les amis. Ah ben regardez, c'est bon, il est l'heure, hein, voilà. Il est minuit moins 20, donc on peut lancer le film. On va passer une bonne journée.
Il y a un coup dans l'écran. Il y a un coup dans l'écran. C'est pas du bien joué, les gars. Il y a pas du bien joué. Ça, en plus, il est mis à un endroit, hein. What the fuck. Donc voilà ce que ça se passe dans une vraie salle de cinéma, les gars. C'était vraiment comme ça. Attendez, regardez, je vais. Non, pas la carte. Vous voyez, le style graphique, bon, il change pas des masses. Hein, voilà. Là, disons qu'elle est plus grosse et là, elle est plus allongée. What the fuck. Ça dépend comment tu vois la chose. Voilà. Donc, ça, je pense que c'est vraiment l'original. Et là, ils ont un petit peu réparé la lumière. Bon, alors, les gars, désolé. Tonton ! Tonton ! Tu vas décéder ! Mais non, on ne va pas décéder. Un jeu. Où voilà, tu ouvres les portes, ça s'ouvre par là. Hein, évidemment, elle s'ouvre vers l'intérieur. On va laisser se refermer. Et voilà, je fais durer le suspense. Voilà. Tu arrives ici, tu appuies, la porte essaye de s'ouvrir vers toi. Elle te pousse. Dans un jeu de 2023, tu aurais été dans ce sens-là, les portes se seraient ouvertes dans l'autre sens, parce que c'est des portes qui s'ouvrent dans les deux sens en 2023. Donc là, il y avait vraiment le jeu était vraiment calculé, de qualité. Alors, on appelle l'ascenseur, mais attention, parce qu'on a Bibi juste derrière. Voilà. Et là, on va faire tout péter, les gars, avec les petits bidons des familles. On tire dedans, hein, clasheur. Putain, j'ai même mon pistolet, il est mort, quoi. Day. Ça va, on n'a pas endommagé la bande d'arcade. Bon, juste l'écran. Bah bon, ça va, un écran, ça se rachète. Alors, la carte rouge, on l'avait ramassée. On va aller derrière la salle de cinéma. Bah, derrière l'écran de cinéma. Voilà, des petites armes, des petites armures, des petites munitions. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Bon, là, je ressors dehors. C'est pour le fun de péter un carreau. C'est plus en mode du ketchup des familles. Ah, genre, 10 dans le pompe, c'est bon. Des ennemis, évidemment, qui nous rappellent toute notre jeunesse. On en a niqué des mecs comme ça. Bon, alors là, je pourrais foncer. Bah, autant le tuer. Hein, nous, on est des vrais. On a peur de rien. Et... Autodestruction. Voilà, Holocaust à Hollywood terminé. Voilà, bon, on a mis 8 minutes 05, mais on a traîné un petit peu, évidemment. Temps requis 1 minute 45. Temps 3D Rearms 0,53. Ennemi tué 27. Ennemi restant 10. Ah, il restait 10 ennemis. Bah, c'est des trucs qui volaient dans le ciel à l'extérieur. Les secrets trouvés 2. Et les secrets manqués 6. Bah, c'est cool. Alors, on met la carte bleue, bien évidemment. On met le code. Alors, c'est les deux extérieurs ou les deux intérieurs? Les deux extérieurs, je pense. Non, c'était les deux intérieurs. Je me trompe à chaque fois. Ah, on peut pas. Ah, bah alors c'est les 4, j'ai rien vu. Ah non, on peut l'enlever. C'était bien les deux. Ah, voilà. Je vois bien qu'on pouvait la ressortir. Voilà. On actionne la destruction de la tower. On n'a pas capté le projet. Donc voilà, on détruit la tour. La tour des familles pour aller récupérer la carte jaune qui est planquée là-bas dedans. Ainsi que des munitions à l'occasion. Voilà, la petite carte jaune des familles. Ah putain, comme c'est trop bon ce jeu. Voilà, toi tu dégages. Allez, on récupère les pompes. Les pompes, les fusils à pompe, hein. Je parle pas de pompes godasses, quoi. Non, on ira après. Et alors les gars, on se fait un billard sans tonton. Moi je me faisais des billards ici. Ah bah attends, mais putain. Va pisser, on peut même pas. On va aller les buter avant parce qu'on me cassait les couilles.
Voilà. Ouais, moi je prenais le petit pistolet à l'époque et je me faisais des billards, tranquille, posé, au calme. C'est vrai que à la souris c'est plus précis. Ah, ça détruit les boules, hein? Je pensais que ça tirait dedans, moi. Ah ouais, ça détruit les boules. Ah non, voilà, on peut tirer dedans. En fait, faut être précis ou quoi, mais on peut jouer aux boules. Ah bah voilà, on peut jouer avec ses pieds, les gars. Voilà. Voilà, on met toutes les boules, on a gagné la partie. Insère les boules et tu verras que tu gagneras. Il y a même les traces de sang sur le tapis. Insère les boules dans le trou et tu... Tonton! Ouais, tonton? Vas-y, tu es le meilleur! Mais je le sais, je le sais. Alors merci, le poteau XXX City. La bière est morte. Et on a soif. Alors écoutez, on va monter au bar. Hein. Du coup, si on a soif, on va au bar. Oh mais putain, mais comment je me fais niquer comme une merde. Ouais, bon, on va prendre la siffateuse, mon vieux. La siffateuse des familles. Bah, plus de munitions. Dommage qu'il n'y a pas de pilule bleue pour avoir la grosse tub lol rire aux larmes. Il faut faire gonfler ça comme un cochon pour exploser la méga fontaine au méchant MDR. What the fuck. Putain, j'ai 17 de vie, quoi. Mais il y a une trousse de secours là-bas, je sais qu'il y en a une là-bas. Voilà. Shake it, baby. Shake it, baby. Ouais, ça c'est une qui en a rien à foutre, ça. Ça c'est le premier prototype de Lara Croft. Shake it, baby. Shake it, baby. Shake it, baby. T'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre. Tiens alors. Crève, sale pute. Bah moi aussi je suis mort. Non. Il apparaît d'où ce clocheur? You wanna dance? Attends, il est apparu de où le mec? Ah, c'est quand je l'ai buté, je crois, il est apparu. Non, non, il y a bien un mec qui apparaît quelque part. Ah, ben. Cassez pas les couilles! Ouais, mais moi je me suicide comme une merde. Je peux pas tirer avec le gros lance. En fait, j'ai le retour parce que ça tape contre le bar. 17 points de vie, c'est chaud. Hein. Voilà, on l'a niqué au calme. On ramasse cool. Les armes. Hail to the king, baby. Munition. La trappe secrète du bar pour récupérer la carte rouge. Voilà. Et maintenant, nous allons tonight. Hot, hot, hot. Allez, on va aller jusqu'à la boîte de nuit. Et après, on va aller chercher un bois parce qu'il fait soif. Donc, si vous avez point de chaîne, c'est le moment ou jamais. Ah putain, ils vont me fumer là. Mais c'est de toute beauté. Alors, la carte rouge pour rentrer dans la boîte de nuit. Avec 17 points de vie, ça va être très chaud. Ah oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Attends. Voilà. Oh merde! Ouais, j'ai vraiment reculé au moment où il ouvrait la porte, quoi. L'armure. Ah bah, elle s'équipe automatiquement. Parce que là, j'ai juste le jackpack et les stéroïdes. Mais le stéroïde, ça me redonne pas de la vie, hein, je crois. Ouais, j'ai l'armure. Non, ça tout t'as le cœur qui bat à 4000 à l'heure, là. On l'entend à travers la musique. Mais putain, attends! Voilà, dans ta face, dans ta tronche d'abruti. Attends, parce qu'il y en a encore. Hein. Il y a encore un cochon là-bas, je crois. Je sais que t'es là. Ça, c'est chaud, hein. Bas les couilles, bas les couilles, mon vieux. Bas les couilles. Il est mort? Ils sont tous morts, c'est bon. Alors, on ramasse un petit peu tout ce qui traîne, des munitions.
Des trousses de secours, voilà. Vous crevez, vous crevez, vous crevez, vous crevez. Gats a récupéré, vous crevez. T'as mouru mon tonton, today, tu did. Alors voilà, désolé YouTube, mais on doit le faire. You wanna dance? Allez hop. You wanna dance? À savoir que JDG a dû pixeliser ça. You wanna dance? Pour ne pas être striké de sa vidéo de YouTube. Alors, celle-là, elle te le fait aussi. Voilà, celle-là, elle est sympa. Par contre, celle-là, tu peux tourner autour. Elle te tourne le dos. C'est une tepue. Shake it, baby. Qui fait non, shake it, baby. Qui se pas les couilles. Et pareil ici, tu as celle-là, sympatoche. You wanna dance. Shake it, et tu as celle-là qui te tourne le dos. You wanna dance? Qui s'en bat les couilles. Alors je sais pas quelle est votre préférée. Ouais, il y a la rousse là. Ou bon, à la limite c'est celle qui est vraiment au centre. Hein. C'est pour ça qu'on l'a mis vraiment au centre. You wanna dance? Ah, je laisse enfoncer. Regardez, ça a l'air figé. Et au moment où je lâche le bouton, ça fait ça. You wanna dance? Et t'es là avec ton argent devant toi. Tu bouges pas là. Tu figes le billet et ça bouge pas. Et au moment où tu lâches le bouton, hihi, hop. Les sondes atomiques, j'ai jamais su réellement à quoi ça servait. Ou si on tire avec ça, on va se faire décéder. Alors attendez, on va déjà niquer la grille. Voilà, le pompe. J'aurais pas dû sauter de la grille. Oh, mais tonton, c'est le meilleur. Oh, il était revivant. Il y en a un là-dessus. On ne le voit pas dans son ombre, mais il est là. Putain, il apparaît tel un mort, quoi. Une ombre des ténèbres. C'est bon, je crois qu'on l'a niqué. Tonton, la femme qui te tourne le dos à une bite. Ah, c'est pour ça. Ah bah tant mieux alors. Alors on ouvre le rideau rouge et on danse. Hey, check, check, check. Oh merde, on danse pas, check, check, check. Ah là, ils sont tous là, mon ami. Voilà. On va se les faire petit à petit. Oh non, mais non, il a changé l'arme parce que j'avais plus de munitions. Bah ouais, qu'est-ce que tu voulais faire? Ouais, on va prendre ça alors. Damn, I'm good. You guys suck. On l'a eu. On l'a même pas niqué, quoi, sérieux. Ouais, là on est assez loin, on peut tirer ça, hein, bas les couilles. Ouais. Groovy. Voilà, donc, les munitions. Bon, une munition, ouais, on va pas aller loin avec une munition. Oh mais non, mais... Putain, il change d'arme et me nique. Hein. Je préfère garder le petit pistolet de merde en fait. Crevé, après on dit que je sais pas jouer. Ils l'ont buté. Plus petit que 3, oui, dit que sans tonton en PLS. Tiens, dégage. Allez hop, voilà, c'est parti les gars. Bon allez, oh merde, y'en a un. On va le fumer d'abord. Putain, mais attends, j'ai 40% de vie et il m'a tiré une balle et je suis mort, quoi. Là je me dis, j'ai envie de mourir pour revenir parce que j'avais 40% de vie. Mais bon, c'est la fin du niveau, quoi. Le bordel. Ah voilà. Là, on va dire qu'on l'a fait exprès. On va reculer un petit peu avant parce que attends, comment je me fais déglinguer. Regardez, là j'ai 15%, là j'ai 27%. Putain, je vais prendre ça, bah ouais, t'es con. Ah, j'en ai que un. Oh putain, j'ai même pas touché, quoi, sérieux. Je l'ai tiré dans son bras. Tous à poil et on se caresse la minette, la chounette et la grosse bip à l'air pour s'amuser et chahuter avec la grosse bip dans le U de chez nous, ou lol. De chez nous, ou lol.
Le mec, il a un gros missile dans sa gueule et il meurt même pas, quoi. Voilà, ça dégage au calme. Ah, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. De toute façon, on est à la fin du niveau, donc on s'en fout, mais... Come get some. Voilà, la fin du niveau, elle est là. Ah, putain de merde. Ah ouais, attends, attends, la grille s'est fermée, juste. Attends, les gens, ouais. Ah bah oui, hein, putain, on va te retirer le croupion, Nuken. Ah bah, c'est le Nuken est caché avec la caméra, quoi. Ah, j'ai le fusil à pompe, quoi. On en a eu un. Attendez, je suis protégé contre le mur. Ah bah voilà, on a gagné. On a gagné, le quartier chaud est terminé. Voilà, on en a mis 17 minutes. Bon, ça va, c'est pas grave. On va te retirer le croupion. L'entrée du couloir de la mort. Et on est mort direct. Ah! En plus, on arrive là, on n'a pas d'armes. Putain, mais il fait quoi ce clasheur? Putain! Attends, attends. J'ai pas d'armes, je peux pas le tuer, tu te fous de ma gueule? Casse-toi! Oh non, ça c'est pour ouvrir le tapis. Ah non, non, non. Attends, il faut attendre que c'est ouvert du coup. On va le fermer. Voilà. Puis après, il y a tous les mobs là derrière. On va casser les couilles. On va activer l'autre pour faire disparaître là. Ah putain, il pop de où lui? Me tire pas dedans, je vais chercher l'arme. Come get some. Mais putain, mais c'est pas possible, hein. Bordel de cul, hein. On va le refaire, on va le refaire. Putain, j'ai 82 de vie et t'arrives à me niquer. Voilà, putain. On va descendre là en dessous. Ah non, je me suis enfermé. Voilà, des trousses de soins, tac tac tac, voilà. Et maintenant on va ouvrir enfin le rideau, voilà. Coucou, tu veux voir ma bite? Oh putain! On va le fermer comme ça me casse pas les couilles. La trousse de soins, les familles. On va ouvrir ça comme ça, c'est ouvert. On pourra passer par la grille là directement. Putain, mais... voilà l'armure des familles où elle est équipée. Ah, j'ai une trousse de soins sur moi, du coup je vais l'utiliser. Voilà. Ah. Alors évidemment, il faut passer par les toilettes de la Sainte Église Silence. Hein. Voilà, discipline, remorse. On va faire tout péter, mon vieux. Attends, les mecs, ils se téléportent du futur. Voilà, et on va... Et on va activer la mort. Alors, c'est ici. Pourquoi elle est figée? Bah, profitez, fallait profiter qu'elle était figée. Allez, meurs, décède. Voilà, la siphateuse des familles. Putain, je me fais niquer dans les flammes. Moi je referme les portes, je suis con. Hein. Putain, on a 10 de vie, tu te fous de ma gueule. J'ai encore une trousse de soins sur moi. Ok, on va la garder, on va pas l'user maintenant, on va essayer de passer quand même. Voilà. Tonton dans l'église, c'est mon lieu de culte des ténèbres.
Tonton dans l'église, c'est mon lieu culte des ténèbres. Bah écoute, c'est bon à savoir. Monsieur le ténébreux. Tous à genoux devant moi, Gat le seigneur des ténèbres, prêtez-moi allégeance Barbin. Barbin. Si je me mets à genoux devant un homme, c'était clairement pas pour le prier. Ah, t'es un pareil. Allez pour la France! Allez pour la France! Hop, on saute, on va chercher la carte jaune. Et là, ils vont tous popper ces clasheurs de merde, non? Ils viennent pas? Non! Mais oui, mais il faut que je le mitraille avant parce que sinon il active le truc. Voilà, magnifique. Ah, nous on va s'accroupir. Non, non. Magnifique. Damn, I'm good. Putain, il y a la tourelle de mer. Mais il y a les putains de tourelles qui me tirent dessus, mais va te faire enculer. Hein. Voilà, la carte bleue, elle est là en fait. Putain, mais massacre. Vous voyez les tourelles là-bas au-dessus. Je sais que vous êtes là, bande de clasheurs de merde. Regarde, j'ai un point de vie, un point de vie. Qu'est-ce que tu veux faire avec un point de vie? Ben mourir. J'allais dire et je survis quoi. Attends, on va se le faire un point de vie ce clasheur. Ah, pas moyen. Oui. Putain, pourquoi j'ai un point de vie? Un. En fait, j'ai fait tous les mobs avec un point de vie. Voilà, petite trousse de secours. On actionne l'interrupteur des familles. On se met devant le champ pour redevenir petit. Hop, maman, je rétrécis les enfants. Oh, il s'est fait rétrécir. What the fuck, j'ai jamais vu ça. Il est indestructible. Petit mais costaud. Ah ouais, mais on a ces monstres des Antilles. Regardez, ils crèvent même pas. Ça c'est les chiens de Guts. Putain, c'est les sbires de Guts, hein, ces machins-là. J'ai rechargé trop près. Vas-y, je suis en train de perdre mon énergie. Mais regardez, j'arrive pas. En fait, il me colle au corps à corps. Je peux même pas le tuer, le bordel. C'est bon, on active l'interrupteur. Allez, monsieur le sbire. Regarde, putain, what the fuck. Le bordel, il tire des trucs à rayon plasma, mon vieux. Là, il a peur, hein, là, de venir. Allez, pour la France. Death a day. Putain, il y en a encore un. Ah, il est là-bas. Voilà, on a trouvé, c'est bon. On déverrouille. Oh, mais c'est moi. Voilà, c'est un holoduck. C'est des espèces d'hologrammes qu'on peut placer dans le jeu. Bon, c'est pas que c'est utile. Enfin, ça peut être utile parce que les ennemis croient que c'est toi. Ah bah, on est revenu là, en fait. «
Putain, je me suis paumé, je ne sais plus par où je dois aller. Lui, il est sur... Lui, il faut le mettre sur vert, alors. Hein. Ah, voilà, on a ouvert la porte, les amis. On a ouvert la porte, voilà, c'est bon. Ah, ben là, je me suicide. Je ne sais pas si je me suis suicidé. Tonton ! Vas-y, tu es le meilleur ! Allez, alors, sur cette musique nostalgie, on ouvre la porte. Allez, on tue les sbires de Guts. On doit passer dans la machine infernale. On va arrêter, bien sûr. Voilà, on arrête la machine infernale. Ah putain. Attends, on peut pas passer s'il y a un truc pour l'arrêter là. Attends. Voilà, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu, on l'a eu. Et là, le bordel, on l'avait déjà niqué 60 fois. Allez, va te faire foutre, c'est bon. Là, c'est en train de me saouler pour on sait même pas pourquoi, pour une connerie. C'est en train de me saouler, les gars. Au pire, on verra en coopération avec Guts la semaine prochaine. Donc voilà, t'es parti comme un voleur, Guts. C'est pas du bien joué, ça. Donc t'as intérêt à ce qu'on finisse le niveau de Duck Nukem jeudi prochain, pendant le live. On lui fait un gros bisou au Gatsune des familles. Voilà, on fait un gros bisou au Gatsune. Et bien évidemment, on ne parle pas de toi, Guts. On parle du vrai, de celui-là. Voilà. Quoi, une de ses panses à bière, le bidou là, il boit un peu de trop. Hein. Bon, je vais pas le remettre là parce que sinon, si je le pose sur la caisse, que je suis comme ça, je vais faire péter tout le décor. On va le mettre là. Donc, le Gatsune des familles avec sa tête en PLS et ses grandes ailes. Donc, sur ce, les gars, je vous dis à très bientôt.